Salut les petits potes à la compote, on est parti pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions qui m'a été beaucoup demandée sur l'analyse de la nouvelle map Junkertown. Alors oui, c'est vrai que c'était dans le patch, j'aurais dû faire une autre vidéo, mais je voulais pas faire une énième vidéo sur le patch saison 9 puisque je vous avais déjà montré les ligues de Rupal, j'avais montré les vidéos saison 9 un petit peu avant, etc. etc. Donc je m'étais dit que j'allais pas en refaire, mais c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo... saison 9, le changement sur Junkertown et en faire une vidéo il y a 2-3 jours. Donc je m'en excuse, j'aurais dû la faire un petit peu plus tôt. Mais on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ça permettra de faire un petit peu une analyse de map en même temps. Et c'est quelque chose qui plaît à pas beaucoup de monde. Mais voilà, restez là parce que vous allez apprendre des choses sur Junkertown. Et souvent les erreurs qu'on aura tendance à faire à bas niveau, etc. Et aussi même à haut elo. La mise à jour sur Junkertown, l'ajout d'une version nocturne. Bon, elle est extrêmement classe, mais c'est pas ça qui nous intéresse. L'ajout d'un bâtiment près du premier point pour apporter davantage de couverture et bloquer les longues lignes de visée. Car très clairement, le problème de Junkertown, vous le savez peut-être, c'est Widow. Quelles sont les maps, quel est le type de composition qu'on joue sur Junkertown en e-sport Overwatch depuis très longtemps? Sigma. Sigma, ça veut dire POC. Ça veut dire Widow. Donc voilà, ce sont les types de compositions qu'on voit sur Junkertown et sur Circuit Royal. C'est vraiment les deux maps qui représentent vraiment la POC et qui sont des maps à POC. Le truc, c'est que c'est vrai. Regardez la map à quoi elle ressemble de base. De base ici, quand je vous dis, c'est un sacré No Man's Land. On voit vraiment, j'ai mon petit curseur de souris donc c'est plutôt cool. Donc vous voyez que c'est vraiment un terrain de foot. Hein. Il y a un petit endroit pour se mettre à cover ici, le petit endroit ici, l'endroit où on se met parfois en tant que support quand le payload il arrive par là. Bref, on n'a pas d'endroit pour beaucoup se mettre à couvert. On respawn, on revient par le top, et puis personne ose aller sur le point parce que quand ils sautent sur le point, ils sont visibles par tout le monde et ils se font détruire le cul. Donc c'est quelque chose d'assez constant que sur Junkertown, il n'y a pas de retouche facile. Les retouches faciles, c'est quand, vous savez, sur Midtown, il y a carrément un mur qui vous permet, et juste derrière, il y a le payload, et quand le payload atteint, ça casse le mur, enfin casse le truc, ça descend, et après on peut passer avec le petit truc. Il y a vraiment des maps qui sont faciles à retoucher, d'autres qui ne sont pas faciles du tout. Cette map est vraiment un cauchemar pour la retouche. On sait très bien que le tank qui reste en haut, il n'ose pas descendre, les DPS, etc. C'est dur. Voilà. Mais même dans les games en GM, hein, même dans les games Master GM, tu vois des gens qui n'osent pas retoucher. Ils essayent même pas. C'est un petit peu dommage. Et donc, on change un petit peu la map en ajoutant un bâtiment ici où on va pouvoir se mettre et se cacher quand on est en défense. Parce que bien évidemment, le problème de cette game, de cette map, c'est que peut-être ça favorise trop l'attaque au départ. Donc, ils décident de favoriser un petit peu la défense en ajoutant ce bâtiment ici. Ensuite, on lit. Donc, le bâtiment ici, on le voit un peu mieux. Là, parce que là c'est l'endroit pour se mettre à cover un petit peu avec Anna, avec le pack de soins qu'on avait de temps en temps. Anna, tu vas tendance à te mettre là, mais bon, tu peux pas rester là non plus une demi-heure. Si ça s'approche trop près, tu dégages. Mais voilà, et maintenant, hop, on a un bâtiment. Donc vraiment, on est un peu caché, on est un peu tranquille ici. Avec le pack de soins qui est resté ici d'ailleurs. Faudra le noter, il est toujours là. Il a été un petit peu décalé. Et on voit que c'est quand même, là, pas beaucoup de cover, là, beaucoup plus de cover. Donc faudra vraiment apprendre les petits pixels, les nouveaux pixels, les têtes qui dépassent, les machins, les trucs. Les petits pixels qui dépassent, faudra faire attention ici. Mais là, il y a tout un apprentissage à avoir sur cette partie-là de la map. Donc ça, c'est la première modification. La première modification. La deuxième modification. Ajout d'un château d'eau près du premier point pour bloquer les lignes de visée depuis les ouvertures au-dessus du goulet d'étranglement. Donc c'est ce fameux château d'eau qui est là, vous voyez, c'était tout petit. Et maintenant, c'est un énorme château d'eau ici. En fait, ça boucle la ligne, ça bloque la ligne des Widow qui avaient tendance à se mettre là. Vous voyez mon curseur? Ah, il est à peu près sur le Reiki, donc c'est un peu dommage. Les Widow qui avaient tendance à se mettre là, ou alors ici, là, voilà. Et en fait, ils avaient une ligne sur les gens qui étaient là, au niveau du château d'eau. Donc là, maintenant, le château d'eau, ça bloque. Voilà, avant, on avait vraiment une grosse ligne. Maintenant, le château d'eau bloque ici. En plus de pouvoir se mettre de ce côté... De temps en temps, tu peux te mettre de ce côté. Ça peut être tout à fait possible que le tank se mette là. Voilà. Donc, petit changement ici, notable. Mais vraiment, ça change de ligne, mais on ira in-game après. Hein, vous inquiétez pas, normalement, je suis toujours in-game. Ça m'a déco. Non, ça m'a pas déco, donc tout va bien. Ajout d'un nouveau véhicule près de la corniche pour apporter davantage de couverture et bloquer les longues lignes de visée. En fait, c'est le véhicule qui se situe ici.
voyez ça là? Il y a un seul véhicule qui fait deux étages. Et là maintenant, il y a deux véhicules qui font deux étages. Donc ici, c'est plus pour l'attaque. Alors, est-ce que ça servira à la défense au tout début? Pourquoi pas, on peut se mettre sur le bord là. Quand on a la ligne ici. Mais c'est plus quelque chose qui va favoriser. Quand le payload va arriver ici, l'attaque va prendre le contrôle et on va donc décaler l'équipe. On peut décaler une partie de l'équipe ici. Voilà. Pour pouvoir combattre cette équipe qui aura tendance à vouloir rester là. Vous voyez ? Donc là, vous voyez qu'un petit peu plus de confrontation mi-distance, corps à corps, que ça pouvait être avant, avec une map complètement désouée de défense et d'endroits pour se cacher. Donc beaucoup moins de burst possible, ici on peut se cacher, etc. Donc une map qui restera peut-être encore sur des compositions POC, parce que les gens ont l'habitude, mais peut-être qu'il sera transformé avec le temps. Parce que très clairement, les compos viables, les compos avec peu de range deviennent peut-être un petit peu plus viables qu'avant. Ensuite, on continue. Réduction du chemin de bord de corniche pour refermer l'espace et réduire la superficie générale de la zone. Donc, je suppose que ça, c'est l'espace ici. Vous voyez la corniche ici. Donc, ça, c'est avant. C'était beaucoup plus large. Et là, ça a été pas mal réduit pour éviter que ça soit trop large, hein, tout simplement. Ensuite ça c'est fini je crois pour les changements ici. Suppression d'un petit kit de soins sur le balcon de la deuxième zone qui pouvait être utilisé de façon abusive. Alors est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a sur la map? On l'a pas. Donc c'est le, rappelez-vous, c'est le pack de soins qui est là-bas à la fenêtre. Vous avez un pack de soins ici qui est là-haut. Ils l'ont supprimé. Donc ça on verra quand on marchera la map. Ajout d'une poutre verticale au niveau du deuxième goulet d'étranglement pour faciliter le déplacement. Donc pas dans la deuxième partie de la map, mais dans la troisième partie de map. Donc c'est ici. Ici vous voyez, là il y a une poutre qui a été ajoutée ici. Putain, je confondais là cette poutre et cette poutre là. En fait regardez, pourquoi? Parce qu'en fait cette poutre là permettait à des gens de tirer trop gratuitement. Avec la poutre ici, on peut moins facilement tirer d'ici. Et on va donc devoir un petit peu plus se commit. Cette poutre aussi, elle bloque un petit peu la vision pour ceux qui pouvaient se positionner sur ces hauteurs-là, les trucs qui tournent. Donc je pense que c'est un avantage pour la défense cette fois-ci. Donc ça, c'est encore... Enfin, vous allez me dire, encore un truc pour la défense? Oui, encore un truc pour la défense. Et enfin, on termine par le dernier changement. Élargissement d'un couloir, ajout d'un abri dans la troisième zone pour faciliter les combats rapprochés. Donc ça, c'est, j'ai mis du temps à le trouver où c'était. Et donc voilà, ils ont changé ici. Un petit changement, c'est on fight pas beaucoup là-dedans. Voilà, là il y a un petit truc pour cacher, vous voyez, maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment purement géométrique, tac, tac. Voilà, aucun endroit pour se mettre à cover. Là, on peut se mettre un petit peu à cover et l'escalier est plus large. Voilà. Voilà pour les petits changements sur le patch. Maintenant, je vais vous le montrer tout simplement in-game. Parti ! On se retrouve donc en attaque sur Junkertown. Bon, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas les objectifs, on n'a pas à push. Mais voilà. Par contre, la map, elle est très bizarre de nuit. Ça fait vraiment bizarre, mais bon, c'est stylé. Donc, on rappelle hein, les poses de Widow, la première pose de Widow. Il y a des Widow qui se mettent là, mais il y a la Widow qui classique qui vient plutôt dans le bas de l'escalier ici et qui contre la Widow qui a tendance à être là, là. Après, elles peuvent se mettre un petit peu plus loin, etc. Donc le début de partie n'a pas trop changé. Vraiment, la deuxième partie, c'est vraiment le fait de push ici et peut-être d'avoir une partie de l'équipe qui vient par là. Donc là, vous voyez que cette range-là, bah, complètement changé. Hein. Voilà. Il y a ça là maintenant. Donc c'est une ligne qui a complètement changé. Comme je disais, les Widow qui avaient tendance à se mettre là, bah là pareil, hein, y a toujours le truc. Vous voyez qu'on peut toujours sniper de là. Donc ici restera une pose très importante, ici, ici. Et ensuite ici on a le goulot, qui est quand même un chemin vers le bas. Donc assez ouvert à ceux qui se cacheront là-bas. Mais ici on a cette pose là, qui est vraiment très très fort avec le payload qui push et on peut se mettre là. Et on est un peu plus safe. Et voilà, on va combattre finalement à des distances qui sont assez proches des gens qui vont vouloir faire l'ultime défense. Donc l'ultime bafouille, l'ultime défense, c'est tout simplement on laisse le payload. Le payload, quand il est là, il va sans doute continuer de faire le chemin quasiment jusque là. Et c'est à partir de là que le tank va devenir très très fort, puisqu'il va pouvoir contester le payload tout en étant à peu près safe. Et il peut faire la même chose de l'autre côté derrière.
Donc vous voyez qu'il y aura peut-être sans doute des gens qui essaieront de reprendre peut-être cette hauteur là. Si vraiment, si vraiment l'équipe adverse décale un peu trop, on pourra peut-être reprendre le top ici pour gêner l'équipe adverse. Et essayer de, voilà, si vraiment les gens s'enferment dans ce truc là pour essayer de prendre le contrôle de cette partie là. Ça va vraiment être une bataille de territoire. Là où avant c'était très compliqué de défendre, là on voit qu'il va falloir qu'il se bouge le cul. Question: à partir de quand on a le droit de mourir pour la dernière fois avant de plus pouvoir défendre, enfin de perdre cette position? Vous comprenez bien qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'imaginons, pour contrer un petit peu la nouvelle méta, si le payload il est là et que vous gagnez le fight et vous tuez tout le monde, l'équipe adverse elle a pas le temps de revenir et de prendre le contrôle. C'est à vous de reprendre le contrôle en tant qu'attaque. Donc en gros, ouin ouin, la map elle est trop pour la défense. Bah oui et non quoi, parce que si tu mets deux personnes ici, que tu mets une personne là et que tu mets déjà deux personnes ici, bah tu peux un peu bloquer les gens là qui vont essayer de revenir, tu peux essayer déjà d'un petit peu les buter. Et puis tes alliés ils vont pouvoir assez rapidement t'aider aussi, parce que si le payload il était là, dans quelques secondes il est là, et là c'est bon, tu peux mettre une seule personne sur le payload et essayer de garder cette pause. Donc l'objectif ça va être de l'attaque, de prendre le contrôle de ce truc là le plus rapidement possible. Donc vous voyez que le payload il peut pas, vous pouvez pas, en fait si vous perdez le fight globalement ici et que vous mourrez tous et que le payload il est encore là, là il y a des chances que bah ouais, il y a le mec qui est sur le payload, il peut pas aider. Il peut clairement, il peut pas aider, il peut aider personne. Hein. Donc là encore ça va, ça veut dire que vous allez vous retrouver à 5 contre 4 pour reprendre cette pause là. Mais il faut, vous comprenez bien que quand vous êtes en attaque, essayez de contrôler ce territoire là très rapidement. Parce que sinon la défense va l'avoir, et si la défense là, il est extrêmement fort, cette pause là et cette pause là, voilà. Donc la pause ici sera moins importante, c'est en gros il va falloir essayer de se dire, bah ils ont sans doute pris ce territoire là, donc il va falloir le reprendre grâce à ça et grâce à cette pause ici. Et ça sera pas facile. Donc, parce que là, vous êtes exposé quand même. Donc, il faudra faire attention. Mais comprenez bien que cet endroit-là, il faut le posséder, que vous soyez en attaque ou en défense. Alors, est-ce qu'on est au point où on va laisser l'équipe push pour, parce qu'on considère que cette défense-là est trop forte à niveau pro? Je pense pas quand même. Ils vont quand même. On va quand même essayer de faire une grosse défense ici. Vous savez, c'est un peu comme sur Route 66 où il y a certaines équipes qui défendent carrément dans les trains là. Dans les trains qui sont accidentés au départ, ils défendent carrément là. Parce que si tu défends très très tôt, le payload il n'a pas le temps d'arriver suffisamment loin et tu arrives à avoir la deuxième pause défensive sur Route 66 qui est le dessus du... comment ça s'appelle? La station essence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça serait un petit peu pareil. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont défendre à la sortie, limite, ou très très tôt, pour au cas où être sûr d'être capable de défendre avec cette pause-là. Parce que comme j'ai dit, si vous défendez ici, mais que le payload il est là quand vous perdez, ça va être chaud de défendre cette pause. Parce que ça va arriver très très vite, ils auront cette pause, ils auront l'avantage, etc. Donc faudra voir comment les équipes professionnelles vont marcher, et voilà. Mais ça, en tout cas, il y a un gros, gros, gros changement sur cette map, et ça modifie sans doute les compositions qui sont viables. On peut beaucoup plus jouer du close range. On peut toujours jouer du POG. Je pense pas que ça soit impossible de jouer du POG comme certains peuvent le penser. C'est-à-dire que si la Widow, elle te tue au départ, que le payload il est là et qu'elle prend cette pause là, bah, cette pause reste quand même emmerdante. Mais sachez que quand vous vous mettez là, la Widow qui est là, vous passez là, enfin vous essayez de... Quelqu'un vous ping où est la Widow, hop, vous savez que la Widow n'a aucun impact sur vous parce que là. Mais par contre, il faut connaître, vous voyez, les petites pauses qu'on va pouvoir avoir, parce que là à mon avis la balle passe, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va falloir connaître les petits micro millimètres où vous pouvez passer avec Widow pour toucher, pour mettre une tête avec Anzo, etc. Donc là il y a quand même des choses à connaître qui sont différentes parce que bah, c'est pas une surface complètement carrée où rien ne passe, il y a des endroits où ça passe. Donc vous voyez qu'il faut quand même à mon avis faire attention. Il va falloir les apprendre par cœur quand on est un OTP Widow, etc. Et ici, vous voyez que là, par contre, vous n'êtes pas safe. Donc là, voilà. Mais par contre, Widow peut se mettre là, Widow peut se mettre là. Là, là c'est assez fermé quand même. Donc voilà. Voilà pour la première partie. Comme je vous ai dit, le pack de soins ici a disparu.
Et on arrive à la deuxième partie de map. Bon là on s'en fout, hein, vous savez que c'est à cette prise de là, la hauteur là qui est très très fort avec le push qui passe un peu Xena obligatoirement. Là la difficulté de retoucher aussi hein, qui est pas forcément toujours facile, les gens osent pas toujours. Et on arrive à la deuxième partie, donc cette fameuse poutre là, qui comme je l'ai dit, change quand même un peu la nature. C'est-à-dire que là vous voyez c'est beaucoup moins ouvert, hein. Faut penser que ça, ça n'existait pas avant. Donc vous voyez que vous avez beaucoup moins d'ouverture, donc beaucoup plus tourné vers la défense. La défense qui, tu vois, tu peux même te mettre au bout là, et le mec peut pas te voir. C'est-à-dire que si tu te mets au bout ici, le mec te voit pas. Si tu te mets là, il te voit pas le mec. Il te voit pas, donc t'as beaucoup moins d'endroits à cover. Tu sais que le mec ici ne te risque rien. Et le mec en bas, c'est pareil, il est obligé de se commit un peu. Avec le coup de Rocket Helix de zone ici, tu peux... voilà. Donc t'es plus obligé de te mettre de ce côté-là. Que c'était plutôt de ce côté là qu'on avait tendance à se mettre pour être safe. Voilà. Tu peux rester un peu là. Donc même si là c'est pas une très bonne pause, mais voilà. Et là vous avez toujours la possibilité de tirer sur les mecs si vous voulez là. En surveillant comme ça de temps en temps s'il y a quelque chose. Donc la poutre change quand même un petit peu la notion. Et alors le dernier truc sur la map qui change pas grand chose pour 90% des joueurs, c'est là. Voilà, ils ont mis le cover ici. Donc vas-y, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de combats là à part chez les pros? Non, il n'y a pas beaucoup de combats ici. Mais voilà, ils ont ajouté ce cover-là. Avant, ça n'existait pas. Comme j'ai dit, c'était plat. Et là, le truc était un peu moins large. Voilà. Petit changement sur Junker Town qui change pas grand-chose. Car on ne combat pas là dans 90% des games d'Overwatch. Voire peut-être 99% des games d'Overwatch. Où ça va plutôt se passer là. Avec les prises de hauteur ici. Et voilà, et de temps en temps, tu combats là un mec. Voilà, déjà, de temps en temps, tu combats là peut-être. Vite fait, mais c'est vrai que combattre dans cet escalier, c'est quelque chose de plutôt rare, j'aurais tendance à souligner, dans la majorité des games d'Overwatch 2. Voilà, 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 petit changement sur Junker Town. Je pense que là, vous pouvez être un petit peu plus serein, vous pouvez jouer un peu plus que vous voulez sur cette map. Donc ça fera plaisir pour les gens qui n'aiment pas jouer les trucs long range, Anzo, Widow, voilà, voilà. Parce que là, à mon avis... voilà, on peut jouer plus du truc corps à corps. Faudra voir en Overwatch League si c'est fini la méta Sigma sur cette map, le pauvre. Mais bon, Sigma il va bien en ce moment, il est plutôt solide sur le patch. Saison 9 je trouve, donc ça c'est pas trop grave pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des changements. Si vous avez fait beaucoup de games sur cette map là, je crois que j'en ai pas encore fait une. Depuis le début de la saison 9. De toute façon, je suis actuellement qu'à 3 ranked. On va continuer normalement les ranked ce soir à 20h. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Des bisous. Ciao. Et à demain.